Donc ça, c'est le système présente ça, qui est un système sur IP de sécurité et qui a été lancé en début 2020. Les avantages de ce système-là sont qu'on est sur une puissance partagée au niveau de l'amplificateur, donc on a un espace qui est réduit en termes d'occupation dans les racks, et on a l'ensemble des équipements qui sont sur IP, donc sur un réseau entièrement IP, et l'on peut, avec ce système, couvrir de la petite installation jusqu'aux très grandes infrastructures, parce que c'est très flexible, on peut déporter du matériel à distance, jusqu'à 500 zones possibles avec ce système. Et donc on a aussi, en parallèle de la partie équipement en rack, on a également sur la partie ici les pupitres d'appel. Donc on peut voir ici un pupitre présent de ça, qui est présenté. Et donc on a travaillé sur une interface avec écran tactile sur le pupitre, donc un afficheur tactile, plus la combinaison de touches physiques. Donc on peut mettre jusqu'à 4 claviers d'extension physique. Pour pouvoir garder sur certains besoins, notamment pour les pompiers, toujours la possibilité de faire un appel sur une touche physique. Sinon, l'interface pour l'utilisateur permet de faire des appels ou de régler la musique directement depuis la partie tactile. Et ça fonctionne sous forme de tuiles que l'on va activer pupitre par pupitre. On va dire le pupitre à l'accueil aura la gestion de la musique. Et le pupitre de sécurité n'aura pas la gestion de la musique. Donc on peut déclencher des messages, on peut voir tous les événements de défaut qui seraient présents dans le système. Donc c'est vraiment l'interface pour l'utilisateur. Alors c'est le marché donc de la sonorisation de sécurité, les centres commerciaux, mais tout ce qui est aussi transport, les grosses infrastructures. Voilà, les aéroports, on est en train d'équiper par exemple l'aéroport de Nice avec ce produit-là. Et puis aussi, on est sur différents projets, les navires de croisière qui sont en cours de déploiement avec ce produit. Et on a également, en accompagnement du pupitre physique, possibilité d'avoir un pupitre, on va dire virtuel, sur un client léger. Donc on a un petit serveur qui vient dialoguer avec le matériel et qui peut permettre donc de faire des appels. Par exemple, depuis un micro-casque en Bluetooth, on va se connecter au serveur via une tablette et on peut déclencher des appels. On a la fonction text-to-speech qui est intégrée, donc qui permet, via un abonnement chez Amazon Poly, qui est très peu cher, de pouvoir générer de la synthèse vocale directement et de l'envoyer dans le système. Donc voilà, ça reprend un peu les mêmes fonctions avec en plus donc le text-to-speech et aussi la gestion calendaire. Donc on a un calendrier qui permet de programmer les changements de musique dans telle zone à telle heure, le niveau sonore de le programmer également. Et pareil pour les annonces enregistrées, on peut les lancer à n'importe quel moment. On l'a sorti donc en fin 2019, début 2020, version 1.0, et là on est à la version, on va sortir au mois de mai la version 1.5, qui d'ailleurs est en train d'être aussi installée à l'aéroport de Munich. Donc on passe sur un présent de ça, on va dire système autonome, un seul système, à une version où on aura plusieurs systèmes mis en relation et mis en commun pour la sécurité. Donc on aura une solution certifiée EN54 sur un réseau IP, mais avec des multi-contrôleurs présents de ça. Voilà. Donc on peut encore étendre plus, au-delà des 500 zones d'un système, on peut encore étendre pour avoir plus de zones possibles. En nouveauté aussi, donc on a le système de haut-parleurs sur IP, donc qui pour l'instant est dédié aux applications de vidéosurveillance. Donc connecté à un système d'hyperviseur, on va pouvoir donc avec le protocole SIP générer un appel dans le système, faire de la téléinterprétation dans une ville par exemple. Donc c'est équipé d'un micro de communication, donc, ça écoute ce qui se passe dans la ville. Il y a un lecteur de messages qui est enregistré dans le haut-parleur. Donc on peut aussi déclencher des messages directement générés par le haut-parleur. On aura deux modèles qui sont disponibles. Un courte portée, pavillon courte portée, un modèle pavillon longue portée. Et on aura un troisième équipement qui va être un ampli sur IP, sur lequel on pourra connecter des haut-parleurs standards. D'accord. Donc si on a besoin d'un plafonnier ou d'une enceinte plus classique, on pourra la connecter sur cet applicateur-là. Donc la première version, c'est une version protocole SIP dédiée à la vidéosurveillance, principalement aux hyperviseurs en SIP. Et l'année prochaine, on va avoir les mêmes produits, mais avec le,
le protocole Omneo, donc c'est du Dante crypté et sécurisé, qui sera intégré donc au système présent de ça. D'accord. Donc pour un système présent de ça, si on a besoin de déporter un ampli pour une petite zone, un local technique ou un bâtiment existant, via le réseau, on mettra le petit ampli en Omneo et ça sera une sous-zone du système présent de ça. C'est POE, oui, c'est alimenté en POE. Et donc celui-là, comme je l'ai dit, il a un lecteur qui est intégré. Donc pour, sur événement, via l'hyperviseur, on peut déclencher un message sur le parc. Pour la partie conférence, donc là aujourd'hui, on présente la nouveauté, c'est le poste encastré Decentis. On l'avait déjà présenté à ISE 2021, mais ISE virtuel. Et donc là, première fois physiquement que les gens peuvent le toucher. Il est sorti, on le livre depuis le mois de mars 2022. Et donc c'est un système qui est basé sur le même encastrement que le système DCNNG en termes de taille. Ce qui fait qu'un client qui aura une installation en DCNNG, il peut prendre ses modules NG et remplacer directement par les modules Decentis. C'est les mêmes écartements, les mêmes systèmes d'accroche. Donc c'est vraiment très pratique en termes de rénovation. Pour l'instant, on a le module de sélection de canaux, le bouton de prise de parole. On a une embase micro avec un système d'amortisseur qui est ici, donc qui permet de limiter les transmissions de vibrations de la table. Donc il y a une espèce de système en caoutchouc qui permet d'avoir quelque chose avec beaucoup moins de bruit capté par la table. Le module haut-parleur et pour le poste président, le bouton de prise de parole président. On aura en début 2023 le complément, donc ça va être le module de vote avec touche sensitive, un module d'identification par badge NFC en format 1 nu, enfin un écartement, et on devrait avoir un autre module sélecteur de canaux qui va arriver. La partie... C'est pareil, la solution se complète d'année en année. Oui, tout à fait. Ben là, on arrive en fait, on avait dans la gamme Decentis progressivement fait les postes sur table, différentes versions. On avait démarré par multimédia, après on a eu la gamme de discussion. On a complété par le poste interprète également en IP. Hein, tout ça c'est connecté en IP. Même réseau d'ailleurs que pendant ça, c'est du réseau Omneo. Et on a donc là on finit la gamme, je dirais, avec ce système encastré. Et c'est pareil, il y a plusieurs phases de lancement suivant les modules. On a une prochaine phase début 2023 avec de nouveaux modules. Et il y aura encore des nouveautés. Et autre petite chose qui existait également dans le système Decentis, on avait la gestion mode synoptique. Et là, depuis deux versions, on l'a amélioré, donc on peut afficher, on a des blocs pour construire l'interface pour l'utilisateur. Donc c'est un client léger, c'est une page HTML qui est ouverte sur le serveur. Donc depuis une tablette ou depuis un PC, on peut venir afficher le synoptique. On a le résultat de vote sous forme de camembert ou de barre qui peut être intégré à la vue synoptique. On peut en créer plusieurs suivant les profils. Et ce que l'on a intégré également dans la vue synoptique, c'est on avait le stockage des documents de réunion et de compte rendu de vote qui étaient sur le serveur, donc il fallait les chercher manuellement pour les imprimer ou les envoyer. Là, on a directement, depuis l'interface synoptique, une arborescence et on peut voir chaque compte-rendu de réunion, les filtrer entre deux dates. Donc la recherche est beaucoup plus simple. Et on a un bouton qui permet de vérifier que le document n'a pas été corrompu. Comme on est sur des résultats de vote, il faut que on puisse certifier que le document reste authentique. Bien sûr. Donc il y a une icône qui permet de vérifier que le fichier n'a pas été altéré ou corrompu. D'accord.